Gayon vent la troublaille ak terre qui a soufflé sous Port-au-Prince depuis hier jeudi 17 juin pour arriver jeudi vendredi 18 juin 2021. Secrétaire d'État à la communication France Exatus t'a fait comprendre que tout le monde qui pensait que référendum n'est lui-même li pas qu'a fait en dans pays d'Haïti connaît que il a fait fausse route. Dans Nations Unies, la France mande Premier ministre pour un petit bout de temps qu'il est maître Dorval à joindre justice li. SNSA t'a fait comprendre que gain 46% de la population qui a subi sa nouvelle crise insécurité alimentaire. La police nationale d'Haïti arrivait déposer la patte sous deux jeunes citoyens qui t'a commencé à travailler dans fait faux visa américain. C'est entre autres informations ça que nous portons pour aujourd'hui. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue à la rubrique information ça. Ou même qui fait tomber sur chaîne nan mando pour abonner et ou même qui t'est abonné déjà nan mando pour continuer like, commenter, partager, yon façon pour aider nous bousquer puis bon information pour toujours. Pas oublier si vous abonnez, faut que cliquez sur petit cloche notification, yon façon pour pas perdre pièce l'autre vidéo qui a venir là. Mois de juin si là, c'est un mois qui puis sanglant pour pays d'Haïti. Nous ka di plutôt pour zone métropolitaine ensemble avec environ 1er juin pour arriver 6 juin un bien groupe armé qui sous Matissan te décidé affronter côté yo paquet moun perdu la vie yo et gen quelques moun sa yo tout qui mouri pour diab c'est bête qui te manger yo puisque l'état pas de jambe responsabilité par rapport ensemble avec Zak Silayo et jusqu'à présent gen plus de 8000 moun qui quitte kayo puisque yo pas karité et qui refugié dans le centre sportif de Carrefour et que c'est beau prochain qui continue à longer la main bayo. Normalement, depuis 1er juin à 18 juin, là, ça fait exactement plus de 2 semaines que Mounsayo y a vivre dans une situation qui est assez critique. Semaine ça a été vraiment commencé en bouleverse pour capital pays d'Haïti puisque Neg avec Zam a décidé siéger Carrefour aéroport et attaquer quelques entreprises privées. Malgré que la police est arrivée prendre contrôle de la situation, eh bien, ça n'a pas empêché que désormais la situation vienne plus compliquée pendant que deux premiers hommes de la République d'Haïti sont absents. N'a parlé de Premier ministre pays d'Haïti pour Oti Bouta Claude Joseph ensemble avec le président républicain qui accompagné de madame Li qui allait la Turquie. Bien dommage pays là nous pas connaît qui est qui a dirigé actuellement là. Hier 17 juin, c'était une journée qui était vraiment sanglant puisque gen moun qui mouri et que gen agent dans la police nationale d'Haïti à tout qui arrivait perdu la vie et moun qui dans Delma 2 4 à 6, t'es obligé de courir quitter zone pour y aller réfugier dans l'église Saint-Yves qui dans Delma 5. Yo situation qui pas changé pour vendredi 18 juin si là puisque Sounazon t'es arrivé bloqué route Carrefour aéroport monsieur Simon Peléo sorti en façon pour yo simer l'intérêt. La Saline toujours getiré, Matisse bon côté pal toujours getiré, Moun Delma 2 4 6 après les en moyen pour tête gaz lacrymogène ensemble avec balle. Yo vin nan en situation côté yo pas connaît. Est-ce que c'est la police qui a tiré sur yo ou du moins c'est bandit qui a tiré sur yo ça qui vient mettre yon latéré qui pas explicable nan mitan population. D'après quelques témoignages, et bien, on t'a fait comprendre que il y a un peu de monde qui commençait à mourir, tant que petit monde, ni grand monde, dans la zone Delma 2, 4, ensemble avec 6 commissariats arrivés crasés, puisque nèg avec Zam décidé craser ensemble avec coup de masse. Normalement, jusqu'à présent, là, DG Léon Chol, ensemble avec tout le ministre de justice ou ministre intérieur, yon n'a pas déclaré sous situation ça qui vraiment paniquant en dans pays. Festival bal, eh bien, empêche pays à avancer. Festival bal, lok yon parti dans pays, puisque si zone sud l'a bloqué, plusieurs villes en province, pas qu'à atterri Port-au-Prince, même jantou, si Cité Soleil lui-même li bloqué, gen quelques autres villes dans province, qui pas qu'à atterri Port-au-Prince, qui donc là, on parti dans pays d'Haïti, lok
puisque groupe armé ou même yo pas suspendre affronter rate gaz la tout c'est un problème en dans pays ya moun yo obligé marcher à pied puisque gaz la li même li poko ka rentrer d'après ça Anadip li même ta fait comprendre c'est parce que gen situation compliquée ça sur route Matissan ensemble avec Cité Soleil c'est ça qui t'a empêché normalement gaz la li même li rentrer en dans pays ya jusqu'il est que un bien président Jovenel Moïse ou bien gouvernement a dit un mot pour situation ça que pays d'Haïti a vivre là. Or premier ministre Claude Joseph ta al défendre sécurité dans Nations Unies. Nous ka dit c'est ça qui pousse département d'état américain encore une autre fois un bien décidé prendre restriction sur tout voyageur américain qui décidé rentrer en dans pays d'Haïti puisque d'après au même situation il vraiment compliqué dans pays ya. Si on moun pas besoin ou pas supposé rentrer en dans pays d'Haïti et au profiter by voyageur sa yo ou bien moun qui a travaillé en Haïti qui c'est américain quelques conseils pour yo pas sorti si yo pas besoin si toutefois y a rentrer en Haïti yo doit faire toute réservation yo à distance et si c'est un moun qui t'a venir chercher au n'importe là et bien faut que t'a fait moun ça vinn retenir yo normalement yo pas supposé sorti entre 1h à 5h du matin et yo pas supposé sorti puis yo fait pièce visite au cours de la nuit puisque à n'importe quel moment situation lui-même li ka dégénérer en dans pays. Département d'État américain pendant la mettre dans un mais pour la prend dans l'autre mais et personne n'a pas qu'à juger si toutefois yo pas veut quitter ressortissant américain yo rentrer en Haïti là puisque nous même qui dans pays là li tourner yo l'en fait pour nous pas qu'à vivre là-dedans qui donc yo pas qu'à mettre citoyen pa yo en danger comme ça bagay n'a pas facile katouche chaque jour moun a mourir chaque jour. Eh bien, c'est comme ça que la situation là lui-même liée en dans pays d'Haïti. Le secrétaire d'État à la communication France Exantus fait savoir que normalement ceux qui pensent que la constitution de 1987 ne permet pas de prendre des décisions ou d'introduire une nouvelle constitution par voie référendaire font normalement fausse route. C'est vrai que d'après lui-même, ça n'a pas qu'à faire, mais quand même, personne n'a pas qu'à empêcher yon peuple décider pour dire que oui, livrer yon nouvelle constitution. Secrétaire d'État allait plus loin pour faire comprendre que y a quelques monde qui lit article, mais qui malheureusement yon pas arrivé saisi, eh bien, ça qui dit normalement. Nan article si la, li fait comprendre que gen kek moun ki ap rele tèt yo démocrate, mais c'est eux même qui ap travay pour yo pousser pays d'Haïti pi fon nan terreur ça avec instabilité ça qui ap krasé pays ya depuis quelques années déjà. France Exatus fait comprendre que processus référendum nan li même li continue à avancer normalement et que faut peuple haïtien prend conscience et paré pour y aller voter oui pour nouvelle constitution qui gagne pour changer yon paquet bagay en dans pays ya. N'a rappelé que Claude Joseph li même nan rencontre qui fait en Nations Unies hier là ta défendre projet référendum si là puisque d'après li même constitution 1987 là alimenter trop des ordres ensemble avec problème en de pays ya fòk yo ta changé le ki donc 15 gouvernements de transition sa ou que Haïti konnen yo youn pa mené Haïti pièce côté ki donc moun yo pa ka abgoumé pou sa nou ta ka rele transition fòk yo ta plutôt gonflé venyo yo yon façon pou yo ka al participer nan élection. Yon lot regroupement parti politique ta fait comprendre que dialogue là c'est seul moyen vraiment pour nous ta retirer pays ya dans situation ça que li a vivre depuis quelque temps déjà. Situation ça commencé vraiment trop duré qui donc yo fait appel ensemble avec membre opposition en façon pour yo ka longer mais prend ça président Jovenel Moïse a tann yo depuis quelque temps pour yo ka commencer dialogue là pour yo joindre yon gouvernement d'entente nationale. Actuellement là, pays d'Haïti vraiment malade. Mais malgré ça, dans pied nouillé, nous pas qu'à dire couper pied là. Tout ça nous qu'a fait, c'est essayer soigner malgré. C'est seul ça que peuple haïtien lui-même lui qu'a fait actuellement là, c'est essayer soigner malgré. Nous pas qu'à couper pied à jeter, puisque pied là c'est pas nous que lié.
Fantôme 609 a annoncé 2 jours noirs. Nous songeons que Fantôme 609 fait au moins 2 mois depuis que yo pas prononcé sous situation de crise qui a crasé pays d'Haïti. Eh bien, yo sorti dans silence pour faire comprendre que si peuple haïtien connaît ça qui bon pour yo, faut que yo rete la kayo lundi 21 à mardi 22 juin qui a venu là puisque c'est dernier passage obligé à ça à pied d'après Fantôme 609. C'est dernier bataille là et baron Jean Relé là tabayo autorisation pour yo commencer combat si là qui a duré normalement 2 jours. Yo pral manifester tout pour yo commander libération tout policier que yo arrêté injustement yo qui donc tout moun supposé rete la kayo lundi ak mardi qui a venu là puisque c'est 2 jours noirs que Fantôme 609 yo même yo décrété jour sa yo à pied. 46% de population là a subi sa nou karele yon insécurité alimentaire. CNSA qui responsable de dossier si la ta fait comprendre c'est parce que campagne agricole li même li échoué goud le pas suspendre pre calotte nan men dollars américains ensemble avec COVID-19 là qui complique situation plus sous affaire crise humanitaire en dans pays d'Haïti. Faut que l'État tape en responsabilité là, sinon nan un titan qui pas trop long, et bien c'est moitié population en général qui a pas subi sa nourrile insécurité alimentaire. Là faut que l'État a commencé par responsabilité normalement, et surtout faut que yo ta prend pi bon mesure pour yo combattre pandémie COVID-19 ça qui tourne un vrai danger ni pour politique ni pour économie sociale à kilti pays d'Haïti. Les États-Unis renouvellent leur support aux élections pour pays d'Haïti encore une autre fois. Et bien États-Unis mandé pays d'Haïti pour continuer processus électoral là puisque y a pas soutenu normalement pays d'Haïti mérite élection transition pas bon pour pays a. C'est ça que yon paquet moun yo même yo arrivé parce que Claude Joseph Bocco te parle mandé les États-Unis 17 millions de dollars pour favoriser et bien réalisation élection en de pays d'Haïti. Alors que la Lime, heureuse du report du référendum constitutionnel, eh bien promet police nationale d'Haïti 5 millions de dollars américains, yon façon pour yon renforcer et jeune moyen combattre l'insécurité qui sévit pays d'Haïti depuis quelques temps déjà. Johnson, lui, et Rosbertin Marcellus, ce sont les noms de 2 individus que Bureau des affaires financières et économiques tape plein de chercher depuis quelques temps, puisque yo accusé yo de escroquerie. Eh bien, la police arrive déposer la patte sous 2 citoyens sa yo qui est spécialisé yo dans sa nou karele, eh bien, fabriquer faux visa américain. Enfin, kek moun ap jwenn justice yo. En Haïti, escroquerie ça yo c'est ça qui pas manqué. Y a prendre tout sens. On va qu'être faux papier, faux passeport, faux visa en Haïti, moun sa yo même yo fait en pile cob et en pile victime qui donc la police arrive déposer la patte sous de sa yo toujours et a continuer travail yo façon pour yo ka rempli mission yo qui c'est protéger et servir la population n'importe jan sa ta kaye. N'importe jan situation ta difficile pour yo, y a pas continuer rempli mission yo. Pas oublier situation vraiment compliquée dans quelques axes dans zone métropolitaine. Si ou pas besoin en rien, pas sorti dans la rue. C'est toute information ça que on te porter pour aujourd'hui. Merci d'être que vous continuez à liker, commenter, partager. Merci d'être que vous continuez à inviter yon famille ak yon zanmou abonné ensemble avec chaîne nan pour yon ka rete connecté ensemble avec bon information. Nous va rendez-vous pour une prochaine sortie rubrique ça. Bye bye.